Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Joyeux mois de la francophonie albertaine. Moi, je m'appelle Daniel Williams et je suis le secrétaire parlementaire à la francophonie et je suis le député provincial de la région Rivière-la-Paix. Et en même temps, je suis franco-albertain. Mais comme vous pouvez entendre, je suis anglophone. C'est ma langue maternelle. Alors, d'une manière à parler, je suis franco-albertain par choix, parce que j'ai choisi de parler le français. J'ai choisi d'apprendre ici dans un programme d'immersion à Alberta. Mais je crois que tous les franco-albertains, d'une manière à parler ou une autre, sont franco-albertains par choix. Si vous êtes franco-albertain dès les générations et générations dans la famille, peut-être vous avez choisi de continuer la langue française, d'apprendre à l'école, de parler dans la maison, de jouer avec vos amis en français, même quand tes parents ne sont pas là. Peut-être il y en a des franco-albertains par choix parce qu'ils ont déménagé hors d'Alberta ici. Ils ont choisi Alberta comme une place pour déménager, pour agrandir, pour avoir une famille. Peut-être ils ont déménagé, ils sont immigrants hors du Canada, ils sont de nouveaux Canadiens et comme ça, ils sont les nouveaux Franco-Albertains aussi. Je crois que tous les Franco-Albertains, d'une manière ou d'une autre, ont choisi de parler le français, ont choisi d'être Albertains. Et je suis fier de ça. Je suis fier de notre province. Province francophone qui est diverse, qui a l'histoire, profonde histoire francophone, mais en même temps, il y a un nouveau futur pour nous aussi. Et cette soirée, c'est à propos des jeunes franco-albertains. Alors, c'est le futur dont je veux parler maintenant. Moi, j'étais une jeune il y a une fois, pas il y a trop longtemps, et j'ai appris ici le français dans un programme d'immersion. Mais j'ai aussi vécu quelques mois au Congo, comme bénévolant. J'ai passé les mois là, travaillé dans les centres pour les enfants mal nourris et d'autres opportunités où j'ai vécu et j'ai vécu dans une communauté francophone. Et j'aimais tellement cette expérience quand j'étais jeune et j'ai eu l'opportunité d'être immersé dans notre culture, mais une culture qui est distinctement francophone aussi. Et selon tout le long de ma vie, j'ai trouvé que le français est quelque chose qui a, moi, d'une manière parlée, je pense que je suis un plus gros Canadien parce que je parle français. J'aime tellement tout notre pays, francophone et anglophone, parce que je connais le français et la culture qui vient avec ça. Alors, il y a beaucoup de raisons, selon moi, pourquoi le français est tellement important pour moi, mais aussi pour notre province, pour tous les jeunes qui apprennent le français, qui continuent l'histoire franco-albertaine dans leur famille, dans leur communauté. Alors, comme vous connaissez, je suis pas francophone initialement, alors je débrouille en français, mais quand même, je suis fier d'être le secrétaire parlementaire. Alors, si j'ai fait les erreurs, je m'excuse. J'ai tellement de parler avec vous à propos de qu'est-ce que c'est d'être franco-albertain et jeune en même temps. Alors, ce soir, nous avons cinq étudiants qui nous parleront de ce que c'est d'être un ou une jeune francophone en Alberta. J'ai donc le plaisir de vous présenter ces cinq membres de notre panel ce soir. Nous avons Basmala. Elle est étudiante à l'école de Cypress de Medicine Hat. Nous avons Claire Bromley, elle est étudiante à l'école francophone d'Airdrie. Gabriel Mercier est étudiant à l'école Maurice Lavallée d'Edmonton. Jalil Lévesque est une étudiante à l'école Héritage à Falaire. Et Mia Goslin est une étudiante à l'école Notre-Dame-des-Monts à Canmore. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux que vous soyez joints à nous ce soir pour partager vos expériences et vos perspectives. Pour notre discussion, nous vous avons demandé de préparer une petite présentation de style Pachacucha. Ce genre de présentation utilise des dispositifs ou des images qui sont affichées pendant seulement 20 secondes chacun.
Chacun et chacune des panélistes fera une présentation, puis nous passerons à une discussion et à un foire aux questions. Je vais appeler les participants par ordre alphabétique. Alors, nous commencerons avec Basmala. C'est à votre tour, Basmala. Bonjour, mon nom est Basmala. Et je vais faire une présentation sur ma fierté francophone. Donc, voici mon plan. Je vais d'abord me présenter, dire ce que je veux faire dans mon avenir, qui sont mes modèles, qu'est-ce qui a influencé ma vie de manière positive et de manière négative, qu'est-ce que cela signifie pour moi d'être francophone, quelle est l'importance de la francophonie dans ma vie, est-ce que je pourrais changer dans le monde. Donc, qui suis-je? Mon nom, c'est Basmala. Je suis une élève de la 12e année et je vais à l'école ici près à Medicine Hat en Alberta. Qu'est-ce que je voudrais changer dans l'avenir? Qu'est-ce que je voudrais être dans l'avenir? C'est d'étudier en psychologie. C'est une profession qui m'a toujours intéressée et c'est l'une des valeurs qu'on m'a transmises. Ça va trop vite. Qu'est-ce que je voudrais être dans l'avenir? C'est d'être psychologue, comme je l'ai dit. Mon rêve, ce serait donc d'ouvrir mon propre cabinet. Qui sont mes modèles? Mes modèles sont mes parents. Ils m'ont transmis leurs valeurs, qui jugent les plus importantes et me soutiennent au quotidien. Qu'est-ce qui a influencé ma vie de manière positive? C'est le fait d'avoir le soutien de mes proches et des gens de mon entourage. Cela m'a aussi permis d'apprendre que pour avoir des relations saines, il faut communiquer avec les autres. Qu'est-ce qui a impacté ma vie de manière négative? Ce serait probablement le manque de confiance en soi. Ça vraiment affecte une personne et ça crée des barrières dans plusieurs domaines. Qu'est-ce que cela signifie pour moi d'être francophone? Être francophone, pour moi, c'est la chance de représenter une nation linguistique, non seulement au Canada, mais partout autour du monde. C'est aussi de représenter une minorité dans plusieurs régions. Quelle est l'importance d'être francophone pour moi? Il est important de parler en français car c'est premièrement l'une de mes langues maternelles. C'est aussi la langue avec laquelle je communique avec les membres de ma famille. Elle me permet de créer des liens avec d'autres francophones et elle m'offre des opportunités futures, comme dans le travail. Qu'est-ce que je voudrais changer le monde? C'est sûrement l'inégalité entre les gens. Pour moi, il est important que peu importe sa race, sa religion, sa santé ou même sa richesse, il faut avoir l'équité entre tous, car finalement, on est tous égaux. Qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est simplement les choses simples de la vie. Donc, simplement juste lire, passer du temps en famille, parler avec mes amis ou faire des balades en vélo. Et c'est la fin. Merci, Basmala. C'était vraiment quelques erreurs techniques en avant. Je suis désolé pour ça, mais une vraiment intéressante petite présentation. Nous allons maintenant écouter à Claire Bromley. C'est à vous, Mademoiselle Bromley. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Claire. J'ai 17 ans et je suis en deuxième année à l'École francophone d'Airdrie. Je suis coprésidente de mon conseil étudiant et aussi de mon école. Je fais partie de quelques projets communautaires francophones et j'ai été nominée pour quelques prix aussi de leadership. À date, j'ai déménagé à travers le pays deux fois, car mon père est GRC. J'ai vécu le français en Ontario, en Nouvelle-Écosse et en Alberta. Qui voulez-vous être dans l'avenir? L'année prochaine, je vais continuer mes études en affaires à l'Université de Lethbridge. Et après mon baccalauréat, j'aimerais continuer mes études en droit pour être avocate. Mes modèles. Comme mes valeurs familiales sont très importantes, mes parents et mes grands-parents sont mes modèles. Ma mère est une de mes modèles. Elle soutient toute décision et risque que ma famille et moi faisons. Et elle est le pilier de notre famille. J'espère pouvoir être comme elle quand j'ai des enfants un jour. Un autre de mes modèles est mon père. Il a fait plusieurs sacrifices et a travaillé très dur pour ma famille. Il pousse moi et mon frère à être le meilleur qu'on peut être, tout en étant très motivant. C'est aussi lui une des raisons pourquoi on parle français. Mes grands-parents font aussi grande partie de ma vie et je les considère aussi définitivement comme mes modèles. Ma grand-mère est franco-ontarienne. C'est de là que vient notre français. Et mes grands-parents ont toujours joué un grand rôle familial et ont rendu mon enfance fantastique. Ce qui m'a plus influencé positivement, ce qui m'a influencé le plus de
une manière positive et probablement l'opportunité à jouer au lacrosse pendant 12 années. Ce sport m'a appris de nombreuses leçons, telles comme la persévérance, être déterminé et développer mon leadership, et aussi aider à développer une forte éthique de travail. Après avoir déménagé à travers le pays, jouer à lacrosse a vraiment aidé, m'a aidé à m'impliquer dans la communauté, telle comme le français. Le lacrosse a eu un impact considérable sur ma vie, et pour ça, je suis très reconnaissant. Ce qui m'a plus affecté négativement, personnellement, j'ai tombé malade en 9e année. J'ai eu la méningite, j'étais à l'hôpital pendant 2 semaines et j'étais en rémission pendant 3 mois. L'année qui suivait, ma maladie était très difficile. J'ai eu des difficultés de mémoire et de concentration qui continuent encore maintenant. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être francophone? Cela signifie que j'appartiens à une communauté immensément belle. Comme mon père est membre du GRC, nous avons déménagé plusieurs fois et le français était toujours quelque chose que je pouvais amener avec moi facilement et créer des nouveaux liens et amis. Être francophone, c'est pouvoir parcourir le monde et parler une langue qui est parlée en 5 continents sur 7 et faire partie d'une culture qui agit comme une grande famille. L'importance du français dans ma vie. Le français est très important pour moi. Il m'a aidé à naviguer dans beaucoup d'événements dans ma vie. Comme ma grand-mère et mon père sont francophones, le pouvoir de parler et faire partie de cette culture me permet de pouvoir porter mon héritage. Je vais certainement enseigner cette langue à mes enfants et leur donner le cadeau que j'ai reçu. Si je pouvais changer une chose dans le monde, ça serait de parvenir à une éducation globale. Je crois personnellement que l'éducation est fondamentale dans le développement des enfants et de la race humaine dans son ensemble. Comme nous vivons en Canada, j'oublie souvent de réaliser la gravité du manque d'éducation dans certains pays, mais c'est encore vrai. Qu'est-ce que j'aime faire pour vous rendre plus heureux? J'aime être active, qu'il s'agisse de faire de la randonnée, faire du sport ou même d'être sociale avec mes amis. Ma participation au leadership dans ma communauté et mon école a occupé une place importante dans ma vie au cours de la dernière année comme scolaire. Et ça me garde très engagée et enthousiaste à l'idée d'impliquer des autres. Être active me garde occupée et certainement heureuse. Et c'est tout. Merci. Merci, Claire. J'aime beaucoup l'histoire de vos deux parents comme modèle. C'était inspirant. Maintenant, nous écoutons Gabriel. Gabriel, nous vous écoutons. Merci. Donc, c'est ma présentation Pêche à Coucha pour le mois de la francophonie. Donc, je suis Gabriel Mercier et je vais à Montréal-Vallée. Aujourd'hui, je suis un élève de Maurice-la-Vallée en 11e année. J'aime voyager et je suis allé dans presque toutes les provinces du Canada. Il me reste Terre-Neuve et Labrador et le territoire. Ça, c'est une photo de moi au Parc Gatineau au Québec. J'adore le vélo de montagne. Maintenant, j'utilise une bicyclette Forbidden, c'est le Druid qui vient de la Colombie-Britannique. Je fais du vélo dans ma ville, Edmonton, et j'aime aller à bicyclette dans les montagnes. Cet été, j'espère aller de Jasper à Banff en vélo. En plus, j'aimerais commencer à faire de la course. Dans un avenir proche, j'aimerais aller à l'Université de la Colombie-Britannique. Je veux avoir un baccalauréat en commerce. Après, aller chercher un CPA, ce serait amusant. C'est un bon degré à avoir qui m'aiderait à accomplir mes buts plus tard dans ma vie. Ce serait amusant de devenir un comptable. J'aime bien l'idée de garder le fil de où l'argent vient et de où elle est passée. En plus, comme comptable, tu dois être bon en relation entre personnes, qui est un aspect très attrayant de ce travail. Mes plus grands modèles sont mes grands-parents. C'est eux qui me poussent le plus à devenir meilleur, à parler, écrire et juste devenir meilleur en français. Ils m'encouragent aussi à devenir une meilleure personne en tout temps, en m'encourageant à faire du bénévolat et à m'impliquer dans ma communauté. Ce qui m'influence le plus positivement est le vélo de montagne. Ce sport me garde en santé et me laisse pousser mes limites le plus possible en allant plus vite ou faire des plus gros sauts.
Ce sport m'a aussi permis de participer à des événements comme les Jeux francophones de l'Alberta quand il y avait la pandémie, quand il était en ligne. Ce qui m'influence le plus négativement est définitivement les médias sociaux comme Instagram et Snapchat. Souvent, je trouve que je perds trop de temps dessus et je pourrais accomplir beaucoup plus de choses si je pouvais les éviter. Être francophone pour moi signifie d'avoir un avantage unique qui ouvre plusieurs portes qui auraient resté fermées si je ne connaissais pas cette merveilleuse langue. En plus, être francophone me permet de faire plus d'amis et de connaître plus de gens. Ça aussi facilite la communication beaucoup plus. Le rôle de la francophonie est important dans ma vie car ça m'a permis d'avoir mon premier travail à l'Institut de la Combe l'été passé et me permet d'aller à de bonnes écoles comme Maurice-la-Vallée. Aussi, la francophonie est importante puisqu'elle m'aide à m'impliquer davantage dans ma communauté avec le bénévolat, comme je dis. Si je pouvais changer une chose dans le monde, je ferais en sorte que tout le monde sur Terre ait accès à de l'eau potable. Ceci est important pour moi puisqu'il est important d'avoir les nécessités pour vivre avant de pouvoir s'épanouir. Ce qui me rend le plus heureux est de faire des casse-têtes et surtout les compléter. La photo là, c'est un casse-tête de 6000 morceaux de Venise. Il a été fini en 4 mois. Le sentiment de compléter un projet comme ça est incroyable. Puis en ce moment, j'en ai un autre de 6000, mais il avance un peu lentement. Une autre activité qui me rend heureux est le ski. Descendre une piste le plus rapidement possible est super agréable. Je peux me pousser et passer du temps à l'extérieur. Ça me rend heureux puisque j'adore passer du temps dehors, dans les montagnes, en train de faire du sport. Merci. Merci, Gabriel. Je pense qu'il y a un petit thème pour les modèles. Ça a l'air que c'est les parents, les grands-parents, les membres de famille. Alors maintenant, je veux inviter Jalil Levesque pour nous présenter. Jalil? Nous vous tournons la parole. Merci. Moi aussi, Jalil Levesque, je suis étudiant francophone à la Cale Héritage. Puis j'ai grandi sur une ferme proche de frères. J'ai 3 frères, 1 sœur et 2 parents incroyables. Ça, c'est nous. Ça fait un bout de temps qu'on a pris cette photo, mais c'est le plus récent. J'ai plusieurs passions comme le travail sur la ferme, le sport et la musique. Je suis un petit peu un leader pour beaucoup de mes amis. J'essaie toujours de faire de mon mieux, même quand je n'aime pas faire ce que je fais. Dans l'avenir, je veux être une bonne personne. Je veux être celui qui fait rire les autres et qui est un petit peu life of the party. Je veux aussi être une bonne travailleur. Et de plus, j'aimerais enseigner ces qualités à mes enfants et à celles qui viennent après moi. Dans ma vie professionnelle, je veux continuer la ferme familiale avec mes frères. J'aimerais aussi être charpentier comme deuxième profession. Mes modèles sont mes 2 parents. Ils m'ont les 2 enseigné presque tout ce que je sais et comment avoir une bonne caractère et réussir dans la vie. Sur mon père, il fermait, il travaillait vraiment fort. Il était aussi dans les politiques municipales, sur notre district municipal. Puis ma mère aussi, elle travaille vraiment fort. Puis elle essaie de nous enseigner tout ce qu'elle sait pour réussir dans la vie. Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact positive dans ma vie, c'est la communauté dans laquelle j'ai grandi. Grandir sur une ferme et être ami avec beaucoup de fermiers, ça m'aide à comment être un bon travailleur et comment que le temps est précieux. J'ai eu aussi du chance à connaître comment que la nourriture est produite ici en Alberta. Qu'est-ce qui a eu l'impact le plus négatif dans ma vie pour l'instant, c'est COVID.
pas facile à faire l'école en ligne. Puis avec beaucoup de restrictions, comme pas vacciné, il y avait beaucoup de choses que je pouvais pas faire, puis j'ai manqué beaucoup d'activités. Pour moi, être francophone, la chance de communiquer avec les autres en français, mais aussi la culture, l'aspect culturel, on peut voir dans les regroupements francophones comme le carnaval de Saint-Isidore. Ça, c'est un carnaval annuel qu'on fait durant l'hiver à Saint-Isidore. Puis, yeah, c'est vraiment fun. Quelle est l'importance du rôle de la francophonie dans ma vie? Pour moi, la francophonie est vraiment importante parce qu'elle a beaucoup d'opportunités. Ça va m'aider à ma vie professionnelle comme carrière et aussi ma vie professionnelle comme communiquer avec mes amis, la famille ou juste les personnes que je viens juste de rencontrer. Une chose que je changerais dans le monde, c'est le gaspillage. J'ai vécu dans un pays qui s'appelle Ouganda, au centre de l'Afrique, pour presque 8 ans. Ça, c'est nous avec à une tribu. Je changerais le gaspillage parce que j'ai vu combien de personnes vivent en pauvreté et qui ne sont pas nourries. Puis je vois ici des gens gaspiller leur nourriture. Puis, yeah. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime travailler à la ferme, jouer ma guitare. J'aime faire la planche à neige comme aux montagnes, spécialement aux montagnes. Mais j'aime surtout passer du temps avec ma famille, mes frères, ma soeur, mes amis et mes grands-parents, tout ça. J'aime passer du temps avec eux. Puis, qu'est-ce qui me rend heureux? Il y a beaucoup de choses qui me donnent la joie, mais je pense une chose, c'est notre chat, notre chat s'appelle Moustache. Il y a un moustache. Puis, yeah, il juste donne beaucoup de joie à notre famille. Merci beaucoup, Jalil. J'aime beaucoup la présentation. Et en particulier, j'aime M. Moustache. Et maintenant, la dernière, mais non la moindre, nous écouterons Mia Goslin. Mia, la parole est à vous. Donc, je m'appelle Mia Goslin. Je viens de Canmore, en Alberta. C'est une petite ville dans la vallée de la Bourg. Moi, je suis une franco-albertaine de Canmore. Je vis dans un milieu minoritairement francophone. Pour moi, la francophonie, c'est une grosse partie de ma vie. Je vais à l'école en français, je parle en français avec mes parents. Et ouais, je suis aussi la fille de deux entrepreneurs francophones dans la vallée de la Beau. Ils ont un magasin appelé Vertical Addiction, un magasin de ski et d'escalade en ville. Le magasin a maintenant 17 ans et ouais, il offre des services en français et en anglais. Ce que j'aimerais devenir dans l'avenir, c'est avocate pour les droits de la personne. Pour moi, la justice, c'est très important et ça me tient vraiment à cœur que tout le monde ait une voix, puisse être écouté et ait une chance dans le monde. Je veux aussi être impliquée dans ma communauté, n'importe où c'est. Je trouve que c'est une partie très importante de vivre en société. Je veux apporter du changement positif à ma communauté. Fait que ma modèle, c'est Geneviève Poulin. C'est la ancienne présidente de l'ACFA Canmore-Banff. Elle était une avocate, mais elle est encore une avocate très importante à la francophonie dans notre communauté. Elle s'est battue très fort pour notre école et pour que l'école devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ce qui a influencé ma vie de manière positive, c'est le bilinguisme et mon éducation à Notre-Dame-du-Mont.
Fait que pour moi, être bilingue, c'est très important à cause que je trouve que c'est une partie très importante d'être canadien. Je peux aller voyager n'importe où au Canada puis toujours me faire comprendre. Et puis, mon éducation à Notre-Dame-des-Monts m'a appris comment communiquer, écrire et lire en français. Et que même si c'est une petite école, c'est aussi bien qu'une école de 1000, 2000. Fait que ce qui a eu un impact négatif dans ma vie, c'est la taille de Kenmore. C'est une ville relativement petite puis qui est centrée sur les sports. Moi, j'aime ça les sports, mais pas autant que plusieurs autres habitants. Fait que c'est plutôt difficile de trouver des opportunités ou des activités qui incluent pas, c'est ça, faire du vélo, de l'escalade, du ski, ces affaires-là. Ouais. Moi, ce que ça signifie être francophone, c'est les liens et les connexions établies avec ma communauté. Fait que, dans le fond, moi, je travaille dans un restaurant, fait que je rencontre plusieurs différentes personnes. Puis aussitôt que j'entends qu'ils parlent français, je commence à avoir une discussion avec en français. Puis plus souvent que non, on finit par, c'est ça, apprendre plein de choses à propos de chacun. Fait que l'importance de la francophonie dans ma vie, c'est la francophonie, c'est dans le fond le centre de ma culture, mon identité. Mes parents, les deux, ils viennent de Montréal et puis ils m'ont. Genre, c'est ma première langue, c'est une langue que je veux garder avec moi pour le reste de ma vie. Puis ça, c'est ça, ça me permet de communiquer, ça me permet de voyager, puis vraiment d'apprendre plein de choses à propos de plein de gens. Si je pouvais changer une chose dans le monde, ça serait l'injustice. Je trouve que c'est un gros problème partout. Même ici au Canada, c'est encore un problème très commun puis qui est vu partout, dans tous les jours. Être francophone dans un milieu minoritaire, ça m'a vraiment appris que tu peux être jugé juste avec la langue. Non. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est être impliquée dans ma communauté. Fait que je fais partie de l'ACFA Canmore Banff. Je fais aussi partie du Sénat des élèves pour Franco-Sud. J'aime ça faire du bénévolat, puis c'est ça, améliorer la qualité de vie pour les gens qui m'entourent. Ce que j'aime faire, puis ce qui me rend le plus heureux, c'est de voyager et explorer des nouvelles places, que ce soit en ville ou dans le Canada ou à l'extérieur du Canada. Je trouve que c'est vraiment le fun de rencontrer des différentes personnes qui viennent de différentes places puis qui ont des différents points de vue. Ouais. Merci. Merci, Mia. Je pense, parce que anciennement j'étais une alpiniste, parce que j'avais plus de temps avant que j'étais élu, j'étais dans le petit magasin Vertical Addiction de vos parents. Je pense que j'ai acheté peut-être une ice axe là-bas. Je ne sais pas c'est quoi ice axe en français, mais merci. Merci pour la présentation. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous vos idées, votre expérience en tant que jeune francophone en Alberta. Maintenant, nous changeons à commencer et commence à la prochaine partie de notre table ronde, la foire aux questions. Vous participez toutes et tous activement à votre vie communautaire et vous fréquentez tous et tous des écoles francophones. Alors, vous aurez probablement beaucoup de choses à dire et à partager avec nous. La première question. C'est une question à propos, pas le futur quand vous êtes jeune, mais l'histoire. J'ai vu pendant les présentations de chacun, tes parents, vos grands-parents sont importants. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être francophone dans une province majoritaire anglophone, mais d'avoir une histoire francophone, d'avoir les parents, une communauté, les liens, qui étaient là déjà quand vous êtes né, quand vous avez venu ici en Alberta. Qu'est-ce que ça signifie d'être francophone, qui est minoritaire, mais à quelque chose ou à les relations avec les parents, les grands-parents qui sont déjà francophones ici? Alors, il ne faut pas que tout le monde partage à chaque question,
mais si vous voulez, vous pouvez. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à parler de la significat, pourquoi c'est significat d'avoir les parents, les grands-parents, les communautés francophones dans une communauté provinciale qui est majoritaire anglophone? Gabriel, voulez-vous commencer un petit peu? Oui, j'allais pour mon micro. OK, donc, fantastique, merci. Je trouve que être francophone dans un milieu minoritaire avec des racines francophones démontre qu'on est là. On a été ici pour longtemps et on va rester francophone en Alberta pour un bout de temps. Avoir des grands-parents francophones qui sont venus de l'Alberta et avoir des grands-parents de l'Alberta, ça montre vraiment que il y a une partie de l'histoire albertaine qui est francophone et qu'on est ici pour rester. Une bonne réponse. Et je veux dire, je viens de la petite village de la Crète qui n'est pas francophone, mais anciennement, c'était francophone. Le nom la Crète signifie que c'était francophone. Alors, c'est vrai, notre histoire en Alberta, c'est lié avec l'histoire francophone canadienne. Et ça ne peut pas être divorcé, je crois. Alors, ça nous donne un petit peu d'espoir que nous pouvions continuer d'être francophones pour les générations qui viennent. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à propos de notre histoire et comment ça informe votre vie comme franco-albertain, jeune maintenant? Oui, je pourrais parler. Oui, alors, Claire, s'il vous plaît. Comme j'ai déjà vécu en Ontario comme francophone et en Nouvelle-Écosse comme francophone, l'Alberta, il y a une culture francophone qui est un peu différente. Tout le monde est beaucoup plus uni parce que c'est la minorité ici. Alors, je trouve qu'avoir des parents, des grands-parents francophones, albertains, franco-albertains, et avoir une communauté franco-albertaine est très important qu'on garde notre français. Comme communauté, c'est plus facile de pratiquer notre français, de l'utiliser et avoir besoin de notre français. Alors, c'est très important de garder notre communauté et d'être fier de nos ancêtres français. C'est vrai, il faut être fier. Je pense qu'une bonne manière de penser pour nos ancêtres francophones, même si ce n'est pas mes grands-parents, mes parents et grands-parents sont anglophones et polonaises, mais quand même, c'est important pour moi d'avoir une histoire francophone dans tes parents, vos parents et grands-parents. C'est un lien à l'histoire, c'est important si on veut penser où on va aller dans le futur. Quelqu'un d'autre ou bien on peut continuer à la prochaine question? C'était vous. Jalil, vas-y. Yeah, moi aussi, je trouve que c'est très important parce que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents dans notre petite communauté francophone, on était une communauté de fermiers ici. C'est très important de garder la francophonie dans cette communauté. Puis, je suis très fier d'être francophone dans notre communauté. Vous venez de la même partie de la province, le nord-ouest, que moi. Alors, je connais bien le carnaval à Saint-Isidore. La communauté francophone à Falaire, Saint-Isidore, les autres petites villes, ils sont fiers d'une manière peut-être pas vraiment bruyante. Ils ne sont pas toujours en train de... They're not shouting, bien, mais quand même, ils sont fiers d'être francophones. C'est une fierté qui est importante, je crois. Quelqu'un d'autre? Moi? Si vous voulez. Oui. Ah, vas-y, Bassana. OK, donc moi, je pense que c'est très important qu'on soit francophone parce qu'on peut faire la différence entre les anglophones et la francophone. Donc, ça nous offre une différence dès le plus jeune âge. Et aussi, on peut s'ouvrir au monde et partager notre culture et notre nation.
Merci, je crois que c'est la vérité, oui. Et je pense que ça, c'est une bonne, si je pouvais, aller à la prochaine question, un segue pour penser à quels sont les avantages d'être une jeune francophone en Alberta. Est-ce qu'il y en a des avantages d'être une jeune francophone? Et aussi, je voulais savoir s'il y en a les soutiens, si c'est les relations, la femme de vos familles, peut-être les programmes gouvernementaux ou bien les instituts que vous connaissez. Qu'est-ce qui soutient la culture, la langue française dans vos familles, dans votre vie? Alors, premièrement, est-ce qu'il y a les avantages d'être un jeune franco-albertain au lieu de seulement anglophone? Et deuxièmement, quels sont les programmes ou les relations ou les instituts, la communauté qui soutient cette communauté francophone, selon vous, dans vos vies? Moi, je crois que être francophone dans un lieu minoritaire, ça t'apprend vraiment la détermination à jamais abandonner ta langue et tes traditions, juste parce que quand la majorité ils ne parlent pas français, ils ne comprennent pas toujours c'est quoi comme les différentes traditions des francophones, soit franco-albertains, de n'importe où, vraiment. Puis je pense que nous autres, en ville, un des gros programmes qui aide la francophonie, c'est surtout la CFA. Fait qu'ils aident à intégrer les nouveaux arrivants francophones à la communauté déjà existante, qui est super important pour que la communauté. Fait que moi, je pense que ça, c'est définitivement une des organisations qui fait un plus gros impact sur la Beauvalley. Merci, c'est une bonne réponse. Je crois que oui, il y en a les institutions comme la sienne qui vont aider nous à intégrer les nouveaux arrivants. Il y a d'autres qui veulent répondre à cette question? Oui, je... Donc, en Alberta, il y a plusieurs avantages d'être francophone. Comme avantage, c'est qu'on a une deuxième langue. Donc, quand tu vas comme pour une entrevue de travail, ça te donne un gigantesque avantage par-dessus d'autres applicants. En plus, parler français te permet te donne une plus grande, plus d'options d'école à aller à. Comme je pourrais décider d'aller à une école anglophone, mais non! Je préférerais aller à une école francophone pour garder ma langue. Il y a plusieurs d'autres avantages d'avoir une langue. Des programmes et qui soutiennent la langue, il y a comme la FGA qui souvent organise plusieurs activités qui rassemblent tout plein de francophones à travers l'Alberta pour apprendre à se connaître, faire des nouveaux amis, qui encouragent la francophonie dans la province. Merci. Merci, Gabriel. Claire, avez-vous quelque chose à ajouter aussi? Oui, il y a beaucoup d'avantages d'être français ou francophone en Alberta. Premièrement, les opportunités d'avoir un emploi parce que ça. Les écoles sont plus petites, qui laisse un meilleur enseignement et des relations pertinentes entre les élèves et les étudiants. T'as aussi, comme Gabriel a dit, il y a beaucoup de programmes à travers la FGA et aussi comme des programmes comme RAGE qui aident vraiment à former cette communauté des jeunes franco-albertains. Merci, merci. Il y en a d'autres? Oui, vas-y, Jalil. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages aussi. Mais pour la communication, comme je peux voyager n'importe où que je veux, presque. Puis, juste une autre langue, ça aide beaucoup pour ça. Oui, comme Claire et Gabriel ont dit, l'FGA, comme RAGE, Chicane, Jeux Franco, ça aide beaucoup. Puis même, juste
comme une relation familiale, ma grand-mère nous pousse toujours à parler en français, puis notre école aussi. OK, merci. Je crois que c'était tout le monde qui a déjà répondu. Alors, je vais demander une autre question. J'espère que que les jeunes francophones d'Alberta sont soutenus avec les modèles que nous avons déjà parlé, vos parents, les autres, les anciens présidents. Et je crois qu'ils sont soutenus d'une bonne manière avec les différents programmes, avec les ressources entre les autres francophones. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer cela? Qu'est-ce que nous pouvions faire pour être mieux soutenus comme jeunes francophones? Oui, Mia, vas-y. Personnellement, je pense que donner une voix forte aux francophones de tout âge, vraiment, c'est super important pour faire avancer la langue dans la province, juste parce que c'est ça, je trouve que des fois, on se fait ignorer presque dans le gouvernement. Fait que c'est ça, je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait du monde qui puisse lever leur voix puis se faire entendre vraiment aux besoins, aux différents besoins de différentes communautés au travers de l'Alberta. Et merci. Et ça, c'est peut-être une opportunité cette soir pour une voix forte, la tienne, avec le gouvernement. Moi, maintenant, comme secrétaire parlementaire, alors peut-être encore plus de tables rondes comme celle-ci, avec les jeunes, avec les artistes, avec la communauté de business. Alors, une bonne idée. Il y a d'autres qui veulent aussi ajouter? Oui, Basmala, vas-y. Personnellement, je pense qu'on devrait vraiment améliorer les études postsecondaires en français. Je sais qu'en Alberta, à Edmonton, il y a le campus Saint-Jean, mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'université ou de programme en français qui sont offerts aux jeunes élèves. Donc, pour poursuivre ces études en français, ce serait plus compliqué. Un bon point. Merci, Basmala. Et ça, l'éducation secondaire, c'est important. Vraiment, on a besoin d'un avocat comme Mia. Ou bien les psychologues, je crois que vous voulez étudier la psychologie. Alors, oui. C'est quelque chose d'important, certainement. Et on veut que, est-ce que c'est Gabriel qui va aller à la Colombie-Britannique? On veut qu'il reste ici en Alberta, peut-être pour le commerce. Il y a d'autres élèves qui veulent ajouter à sa question? Oui, c'est vas-y, Claire. Alors, il y a plusieurs possibilité pour mieux soutenir les jeunes francophones ici en Alberta, par exemple, créer des liens entre des élèves francophones puis des élèves qui sont francophiles, qui ont l'intérêt d'être francophones, ou qui veulent apprendre plus le francophone ou le français, je m'excuse. Alors, créer des liens entre les élèves francophones qui appartiennent à des écoles francophones puis des écoles immersion, comme peut-être par des rassemblements, des tournois de sport ou même des activités organisées par quelque part. Et aussi, quelque chose pour vraiment aider les jeunes francophones et francophiles qui sont intéressés à devenir francophones est de démystifier l'insécurité linguistique. Alors, si quelqu'un parle un différent dialecte de français ou il y a un différent accent francophone ou un anglophone essaie d'apprendre le français puis a un accent anglophone, je pense qu'on devrait annuler puis boycott le jugement pour les différences linguistiques. Alors, si on enlèverait ça, il y aurait beaucoup de soutien puis des personnes seront plus à l'aise à parler en français. Alors, je pense que c'est une autre façon de soutenir les jeunes francophones dans le port. Bon point. J'aime beaucoup de ce que vous avez dit. Mais premièrement, j'aime tellement le concept de les francophiles et les francophones ensemble. Je dis toujours que la première étape pour être
francophone, c'est premièrement d'être francophile. Il faut aimer la langue française. Mais je dis tout le temps aussi, c'est pas seulement que nous parlons le français. Je crois que quand vous êtes franco-albertain, franco n'importe quoi, vous parlez en français, vous mangez en français, vous jouez en français, vous avez une famille, les relations, l'éducation en français. Alors, c'est toute une culture autour de vous aussi, en même temps. Et je pense que d'être francophile, c'est une partie importante de ça. On n'aime pas seulement la langue pour la langue, on aime la langue avec tout qui vient avec la langue. Alors, c'est un bon point. Je pense que les anglophones peuvent voir ça avec les francophones. Ils deviennent les francophiles parce qu'ils voient que les jeunes francophones sont excités de parler le français, d'avoir les amis en français. Alors, j'aime tellement ce point-là. Quelqu'un d'autre qui veut parler un petit peu de cette question? Est-ce qu'on devrait déménager la prochaine? OK, nous continuerons. Alors, la question pour chacun de vous, vous sont d'une manière ou l'autre les leaders dans vos écoles, dans vos communautés. À une partie de ta vie, peut-être que tu as déjà vécu, peut-être pas encore, vous serez vu d'une manière d'être un leader. Alors, peut-être que c'est dans la famille, peut-être que c'est dans toute la communauté franco-albertaine. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer dans le futur comme leader dans la communauté francophone? Si vous avez déjà un petit peu un sens de ce que ça sera, peut-être que ça peut vous aider, mais vous serez un jour, je crois, le leader de notre communauté franco-albertaine. Alors, qu'est-ce que vous voulez jouer comme leader dans cette communauté? Peut-être Mia peut commencer. Je pense qu'elle a déjà articulé un petit peu de ça quand on parlait comme une voix forte et comme avocat. Je veux dire, honnêtement, c'est vraiment apporter si éventuellement, pour une raison quelconque, je suis dans un poste de pouvoir ou whatever, ça serait apporter plus l'éducation à tout le monde, puis voir pourquoi est-ce que c'est tellement important d'étudier en français, puis les bénéfices, dans le fond. Fait que c'est ça, moi, j'aimerais ça essayer de promouvoir l'éducation en français ou l'immersion en français aussi, c'est pas mal important. Pour, c'est ça, juste avoir une plus grosse vague de francophones, à cause que je sais que les écoles francophones dans l'Alberta sont relativement petites comparé aux écoles anglophones, puis on perd les élèves au secondaire. C'est vraiment là que les élèves ils transfèrent dans l'anglais. Fait que je pense que ça serait super important pour les communautés, pour qu'ils agrandissent encore plus, de montrer l'importance de cette langue, puis qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ton futur pour une carrière ou voyager ou vraiment n'importe quoi. Merci, Mia. Il y en a d'autres qui veulent ajouter? Oui. Merci, Claire. Comme l'année prochaine, je vais à l'Université de Lethbridge pour faire ce qu'est le business. Puis après ça, j'aimerais aussi être avocate comme Mia. Comme ça, j'aimerais avoir une famille quand je suis plus vieux. Alors, j'aimerais vraiment envoyer mes enfants à une école francophone en Alberta. J'aimerais vraiment aussi faire appartient du comité d'école pour mes enfants. Et peut-être après ça, c'est d'organiser plus d'activités pour ces écoles et vraiment commencer à créer une belle communauté. En plus de ça, si je ne serais jamais dans une place ou une position gouvernementale avec l'éducation comme avocate, j'aimerais mettre plus de puissance sur enseigner le français aux anglophones vers comme quatrième année, vers sixième année, je sais que c'est déjà une chose, mais comme vraiment mettre plus de puissance sur ça, puis pousser ça pour tout le monde. Je pense que le français est vraiment une langue tellement belle, puis une culture belle, puis ça appartient à tout le monde qui est canadienne. T'es canadienne, t'as deux langues officielles, même si tu parles pas les deux. Alors,
ça. Et forcer que tout le monde apprenne français. Merci, Claire. Fantastique. Et je vous souhaite de bonne chance avec Mia d'être avocat. On a besoin des bons avocats en Alberta, mais encore plus les avocats francophones. Quelqu'un d'autre? Oui. Asmala, vas-y. Oui. Je vous alors, en... un peu comme Claire elle a dit, il faut vraiment plus pousser les anglophones en parlant français parce que c'est vraiment une belle langue et une belle culture. Aussi, j'aimerais que dans le domaine du travail, le français soit plus parlé, spécialement en Alberta, par exemple. Donc, vraiment plus promouvoir la langue francophone dans le domaine du travail. Merci, merci. Alors, on a seulement quelques minutes qui restent. Avant de quitter ce soir, je veux vous demander quels conseils donnerez-vous aux jeunes membres de votre communauté sur l'importance de participer activement à sa communauté et sur le rôle de leader. Alors, quels conseils donnerez-vous aux autres jeunes franco-albertains? Et ça, c'est la dernière question. Et peut-être 1 ou 2 minutes chaque. Et puis nous quitterons après ça et conclura la nuit. Alors, qui veut commencer? Je peux commencer. Merci, Gabriel. Donc, comme astuce aux plus jeunes francophones, je les dirais, il faut s'impliquer. Il faut faire sûr de faire vivre la langue. Il faut participer aux activités par la FGA. Il faut aller à la chicane. Il faut aller aux Jeux francophones de l'Alberta. Il faut tout faire pour que le français reste dans la province. Il faut juste s'impliquer le plus possible. Alors, implique-toi-même. Bon mot de départure. Merci pour les conseils, Gabriel. C'est sage, même si vous êtes seulement en 11e année. 12e année, 11e, je crois. À qui d'autre? Moi, je peux aller. J'arrive. Merci, Jalil. Moi, je pense que c'est juste de faire un effort de parler, juste de parler en français. Parce qu'on est minoritaire, on peut souvent juste parler en anglais, c'est plus facile, mais c'est juste de faire un effort à parler en français. Avec des amis, avec la famille, même si c'est plus difficile. Aussi des mots sages, faire un effort. Peut-être c'est l'influence de tes parents qui t'a enseigné ça dans ta vie, tu nous importes ça maintenant. Alors merci, Gilal. Il y a quelqu'un d'autre qui veut donner des conseils à les autres membres? Oui, Claire, oui, vas-y, merci. Oui, je pourrais. Alors, soyez fiers de votre langue. J'aurais pu donner un avis à moi-même quand j'étais plus jeune que moi, mais encore maintenant, soyez fiers de ton langue. N'oublie pas de parler souvent ton langue. Puis, soyez pas gêné de parler ton langue en avant des personnes qui parlent ton langue aussi. Même si tu as un différent accent, même si tu parles plus du franglais ou un autre dialecte, utilise ton français, participe beaucoup, comme Gabriel a dit aussi. Implique-toi dans toute activité française. Jouer au sport ou fais des activités que tu aimes en français. Pratique ton français et l'utilise et sois pas gêné. Sois pas gêné, être fier, aussi des mots sages. Merci, Claire. Basmala, vas-y. Merci. Okay. Je pense que c'est très important de parler le français, comme plusieurs l'ont dit, aussi de partager sa culture au maximum et d'éduquer ceux qui ne sont pas assez éduqués sur le sujet. Donc voilà. Éducation, continuer de parler en français, bon conseil. Merci beaucoup, Basmala. Et peut-être Mia, la seule qui reste. Moi, pour de vrai, je pense que Claire, elle a dit parfaitement tout, d'être fière, de comme ça ne dérange pas, c'est quoi le dialecte que tu parles. Moi, je pense que un conseil que je m'aurais définitivement dit si j'aurais été plus jeune, c'est
sont pas gênés de parler français en avant de ceux qui parlent pas le français. À cause que ça m'a souvent arrêté, puis là, j'étais embarrassed, puis ça me tentait pas vraiment de montrer que c'était un côté de moi qui était vraiment important, puis que je suis vraiment fière à cause qu'ils me jugeaient, ou peu importe. Mais je trouve que, sérieux, c'est tellement important de juste prendre ta francophonie, puis vraiment juste montrer que ça, c'est une partie de toi, en fond. Merci. C'est une partie de tout, tous les, tout et tous les Albertains, même s'ils ne sont pas francophones. Mais les francophones devraient être fiers, ne devraient pas être gênés, comme vous disiez. Je vous remercie d'avoir bien voulu partager tout le monde, vos pensées, vos idées, vos opinions. Il y avait beaucoup d'opinions. Et nous avons un groupe d'élèves divers au nord, au sud, à travers la province. Alors, merci beaucoup pour cet petit événement ensemble. Je suis vraiment reconnaissant de vous entendre parler de vos expériences en tant que jeune francophone en Alberta. Ces commentaires vont nous aider à formuler un plan pour soutenir davantage les jeunes francophones de notre province. Chacun d'entre vous a apporté une perspective unique à la discussion ce soir, en plus de partager avec le groupe des expériences de vie très enrichantes. Votre engagement envers la promotion de la langue et la culture française est vraiment admirable et j'aime tellement entendre ces mots, d'être fier, de ne pas être gêné, de continuer à parler le français. Je suis vraiment content d'avoir entendu ça de les jeunes de la province, des franco-albertains. Je pense que c'est important. Ce n'est pas seulement nos parents et grands-parents qui disent ça, mais les jeunes aussi veulent continuer le français. Alors, je veux vous remercier d'avoir participé ce soir à ma invitation. J'espère que nous pouvions parler en français. Je peux améliorer mon français avec vous un jour, peut-être quand je visite Canmore encore mieux, ou bien à Gabriel à Edmonton un jour, à Falaire, ou peut-être à la prochaine Carnival de Saint-Isidore à Gilal. Et Basmal, vous venez d'Airdrie, n'est-ce pas? C'est ça? Alors. Pardon? Medicine Hat. Medicine Hat, c'est ça. Oh, il faut que je voyage au sud pour parler avec vous. Alors, j'ai tellement de parler avec chacun de vous un jour en français, parce que moi, j'ai besoin de pratiquer mon français aussi, et c'est une bonne opportunité. Cette table ronde est une des nombreuses façons dont le gouvernement d'Alberta reconnaît le mois de la francophonie albertaine. J'aimerais également remercier tous les parents et les enseignants et les amis à des personnes qui ont participé à la table ronde ce soir. Vous êtes tellement bienvenus et j'ai tellement de vous rencontrer aussi. Vous avez fait un travail fantastique soutenant ces élèves jeunes adultes extraordinaires. Merci à tout le monde et bonne soirée. À la prochaine. Merci d'avoir écouté. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.